Bienvenue à tous pour cette première table ronde. Alors, pour parachever le volet technique, on enchaîne deux tables rondes. La première, c'était sur le thème du big data et la santé. Et la deuxième table ronde qui est sur le thème de l'augmenté et du transhumanisme. De vous à moi, je suis un homme augmenté, mais comme je pars de très bas, ça se voit pas. Oui, on a une chaîne YouTube depuis un an et demi maintenant. On a à peu près une cinquantaine de vidéos qui parlent de plein de sujets différents. L'idée, c'est qu'on n'a pas une chaîne spécialisée sur un sujet. On va parler un peu de tout ce qui touche les sciences, même quand on sort un petit peu. Sarah qui représente, quel labo, qui voilà. Ma question est la suivante, pourquoi on est sur vers ce média? Ça c'est deux chromosomes, un chromosome, un deuxième, avec trois polymorphismes. Donc je vais vous demander de faire la main du hasard, la main de la nature, et de faire le tirage au sort à chaque fois pour faire la transmission. Ici, ici. On essaye d'imprimer du vivant. Donc ça nous sert pour imprimer des petits bouts de tumeurs, par exemple, pour trouver la meilleure chimiothérapie à un patient, reconstruire des tissus. Voilà, c'est un intermédiaire entre la culture classique en deux dimensions et puis nos tissus vivants. Coupe cellulaire qui a été préalablement colorée donc, par des gens du laboratoire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent de l'immunofluorescence, c'est-à-dire qu'ils vont colorer les protéines avec des anticorps qui ont été associés avec un fluorophore qui excite une certaine longueur d'onde.